Salut à tous les amis, c'est Dani, comme ça, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Ark Scorched Earth. Je nomme bien sûr le DLC de Ark Survival Evolved. Aujourd'hui nous allons encore, oui, faire du timing. Je sais, je fais beaucoup de timing en ce moment. J'ai beaucoup évolué la maison, mais ça on verra tout à l'heure. Même en laptop ça a beaucoup évolué. Maintenant il faut juste que je trouve, aujourd'hui on va tamer des Tony Dragon. Alors, je me rappelle qu'à l'époque, normalement, ils étaient ici, sauf que là, maintenant, il y a des loups. Alors ça, ça va me poser problème s'il y a des loups. Mais bon, on va quand même essayer de les tuer. Voilà, en plus, ça n'arrive même pas à me toucher. Et en plus, ils font quasiment aucun dégât à... Hop, en plus il nous la fourre, donc ça c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, écoutez. Bon, ici il y a un raptor. Salut magnifique petit raptor. Peux-tu te battre à moi, s'il te plaît? Merci. Ok, il y a aussi un autre là-bas. Je crois qu'il y a un terror bird aussi. Je crois bien qu'il y a un terror bird aussi également. Alors ça, par contre, le terror bird, ça, je déteste ça, c'est bestial. C'est agaçant. En plus, il y en a deux. Ouais, et puis je pense pas que je vais trouver des Tony Dragon vers là. Je ne pense pas que je vais en trouver par là. Bon. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sur le wiki et puis on se retrouve dès que j'ai pu trouver, bien sûr, un Tony Dragon. A tout de suite. Et alors les amis, c'est bon, j'ai trouvé un Tony Dragon. Alors le problème, c'est que... Oula. Alors j'en ai trouvé un, mais malheureusement, il vient de tomber. Chiotte, génial. Parce que tout simplement, il n'est pas seul. Hein. Vous pouvez pas, il y en a encore deux autres. Plus un Terror Bird. Donc il y en a trois. Et après, je sais pas s'ils sont des levels... ou non, parce qu'il était très bien là où il était. Il était très bien là où il était. Excusez-moi, j'arrive pas à parler parce qu'il était écarté des autres. Les autres n'ont pas pu monter, sauf que là, quand même, parce qu'il est descendu. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, c'est quand même un gros problème qui se met en travers de moi parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de vie. Enfin, il a quand même beaucoup de vie, mais le problème c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts et puis ils sont beaucoup, et en plus c'est un terror board et les terror boards sont très rapides, donc ça c'est quand même un big problème. Il y a 3 Tony, un terror board, c'est un gros problème. Alors je sais pas si j'arriverai à juste être... Alors déjà, ah, déjà j'ai le terror board qui m'a capté. Alors, est-ce qu'il va réussir à grimper? Ça, je ne sais pas. Ça, moi, du coup, c'est une bonne nouvelle s'il y a juste lui qui a pu me capter. Ah, et puis là-bas, il y a plein d'autres... lions que j'aimerais pas rencontrer. Bon bah écoutez, on va tester un truc. Oh, mais non, mais viens, t'avais réussi à monter, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Depuis quand le terror board ça apporte des morelatops? Normalement c'est l'inverse. Ah. Ah non. J'ai cru qu'il revenait. Par contre, ah oui, d'accord. C'était quoi ce bruit? Donc, il est tout seul. Est-ce qu'on va... Oula, non, non, pas comme ça.
Est-ce qu'on va réussir à la toucher d'ici? Je pense pas, non. Parce que moi, c'est pas ça que je veux tamer. Hein. Parce que ça, il faudra que je tue. Parce qu'il n'y en a pas là-bas, ça m'énerve. Normalement, il y en avait ici de base. Sauf que là, eh bien. En plus, c'est un dent de sable. Hein. Oh là là. Bon. Je vais faire une ellipse, encore une fois, oui, je sais. Et puis, je reprends dès que j'ai réussi à pouvoir séparer ou même avoir réussi à endormir le Tony Dragon. A tout de suite. Et les amis, c'est bon, j'ai terminé d'assommer, bien sûr, ce magnifique Tony Dragon. Alors là-bas, il y en a un autre qui est mort. Celui-là, il est level 4. Donc celui-là c'est parfait, c'est un mâle, en plus il est magnifique, complètement noir. Et puis il y a ça, ce que je ne connaissais pas, un Purlovia qui est arrivé ici par hasard comme ça. Bon du coup hein, il est mort. Mais il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Il donne énormément de viande. Oh mais what? D'accord, très bien. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi beaucoup de narcobéry. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 756, ce qui suffirait largement. Ça va largement suffire, bien sûr. Tiens, je te donne tout ceci. Il a quand même une torpeur assez élevée, ouais. Niveau 4, ça veut dire que j'ai calculé. Normalement, du coup, ça devrait être environ. Avoir un besoin de viande aux alentours de. De. Comment dire. En viande, environ, je sais pas, je dirais 50 ou. Ou 60, 70, ça dépend. Parce qu'un level 30, il a besoin de 94. Un level 1, je crois que c'est 45, un truc dans le genre. Ça bouffe des 100. Allez, ça commence à bouffer. Ouais, ça... Ouais, si, en fait, j'ai un... Ça va quand même assez vite. Donc, je récupérais toute la bouffe. Sauf celle périmée. Tu la gardes, hein, on n'en veut pas. Et tiens. Prendre toute la bouffe, voilà, ça bien sûr on peut jeter. Non, à part la fourrure. À part la fourrure. Voilà. Non, oh, c'est pas mal. En plus, ils mettent un nombre de pourcentage parce qu'avant il n'y avait pas de pourcentage. C'est parfait ça. Maintenant que j'aurai un pourcentage, ça va être génial. Alors, je vais juste aller récupérer la peau de l'autre, du Tony Dragon, parce que plus tard, on veut... la salle on l'a fait au level 40. Sauf que le problème c'est que il faut énormément de peau pour pouvoir faire le sel. Du coup, je préfère prévoir à l'avance hein, pour tout ce qui est peau, sel, etc. Faut que je fasse attention parce que des fois ici il y a des golems. Je sais pas si vous savez ce que c'est les golems, mais bon, c'est des créatures qui est situé justement dans ma miniature de l'épisode 1. Voilà, voilà. Hop, tiens, prends ça. Toi, tu vas prendre tout cela. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une ellipse. Et puis du coup, on se retrouve dès que j'ai fini de tamer ce magnifique lézard épineux. Hein, donc je pense que ce sera fini en environ, je sais pas, une demi-heure. Voilà. Bon, bref, à tout de suite. Hein. Et les amis, alors j'ai eu un petit problème entre temps. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de son au niveau du... De l'enregistrement, parce que là je suis en train de faire le montage actuellement, et malheureusement je me suis aperçu que j'ai eu un bug de micro, parce qu'entre temps, juste avant, je vous explique un peu ce qui s'est passé, il y avait le Tony Dragon quand j'ai relancé mon jeu, ce qui s'est passé quand même un jour entre temps, quand j'ai relancé mon jeu, le Tony Dragon avait disparu, j'avais du coup refait spawn un Tony Dragon comme ça, je l'ai apprivoisé, etc, donc voilà, et malheureusement quand j'ai relancé l'enregistrement, vu que j'ai fait une modification au niveau de mon micro, alors là je sais pas pourquoi ça marche pas non plus, du coup j'ai dû reprendre le truc de base et du coup bah ça n'a pas enregistré la voix, ça a enregistré la voix du jeu. Je vous mettrai un extrait quand même du jeu sans la voix, donc voilà, normalement vous avez eu l'enregistrement si j'ai bien fait le montage dans la suite, et je suis quand même extrêmement déçu, franchement je sais pas si je vais retourner au truc de base ou sinon je vais à chaque fois, il va falloir que je fasse des préparations. Mais bref, je m'excuse encore pour tout cela. Je vous explique ce qui s'est passé après. C'est qu'en gros, j'ai ramené les lézards épineux à la maison. Je l'ai renommé Crocoumou. J'ai fait level up des...
mes dinosaures. J'ai aussi présenté la maison, donc là je mettrai normalement un extrait du passage où la maison est améliorée, parce qu'en fait j'ai rajouté les fondations pour la maison. Bref, je m'excuse encore de tout ce qui s'est passé, du micro. Normalement, d'ici la prochaine vidéo, ça devrait être réglé. C'est mon logiciel, parce qu'en fait, j'enregistre pour excusez-moi, les bruits de fond, je l'enregistre avec Nvidia Share. Et pour Gmod, je l'enregistre avec OBS. Donc voilà, parce que OBS, il lag avec Arc. Donc voilà. Sur ce, je m'excuse encore une fois, je sais, je répète chaque fois, je m'excuse énormément du problème qui s'est passé avec mon micro. N'hésitez pas à laisser un énorme like pour me soutenir, à partager, à mettre un commentaire de ce que vous me conseillerez surtout. De me dire aussi si vous préférez avoir la qualité ancienne au niveau du micro ou si vous préférez avoir une qualité supérieure qui sera normalement du coup dans la vidéo Gmod vers la fin. Ou dans le nouvel épisode, ça, hein. Si, normalement c'est dans le nouvel épisode. Si vous préférez la qualité du nouvel épisode face ou à l'ancienne, vous me direz ça dans les commentaires. Et surtout, le plus important, vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis du coup, sur ce, je vous dis au revoir. Ciao, ciao!